Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette émission que vous connaissez très bien, qui est une émission de la chronique musicale. Et nous sommes là pour vous présenter. Vous avez l'occasion de voir chaque fois ici l'actualité sur la musique chrétienne notamment. Mais aujourd'hui, nous recevons quelqu'un, pas de moindre, qui va nous parler un peu de son parcours musical notamment. Mesdames et messieurs, je vous redis bonsoir. Nous allons débuter cette émission, mesdames et messieurs, comme vous avez toujours l'habitude de la suivre chaque fois sur les antennes de la RTVA, qui est votre carrefour chrétien. Et nous sommes là pour présenter cette émission afin que vous ayez quand même l'information sur la musique chrétienne. Et nous sommes là pour cela, mesdames et messieurs. Nous allons commencer d'éviter cette émission pour vous permettre notamment d'être à la page de l'information de la musique chrétienne. Aujourd'hui, comme je venais de le dire, nous allons recevoir quelqu'un pas des moindres. C'est un baobab, c'est un artiste musicien, c'est un pasteur, c'est un père de famille qui va nous parler un peu de son parcours musical, de son parcours pastoral. Et il va aussi nous parler du message du temps de la fin, toujours dans cette émission, mesdames et messieurs. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Hello, hello. Et ça, énième fois, tout yamba au lycée, on a cadré l'émission au Sinfo Plus, qui était une émission de la chronique musicale. Mais dans cette émission aujourd'hui, Tokolo Bela sur trois points. Qui nous fait à ce que nous puissions parler en long et à large dans cette émission. Et le premier point pour partir, c'est le parcours musical. Oyayo, Ezakatinayo, nous allons parler aussi sur le pastorat. Nous allons parler sur la musique et le message du temps de la fin. Et ça, c'est les trois points qui réunissent justement notre rencontre dans cette émission, Poto Lobela, Batoyo Kabiso, qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Alors, pasteur, avant déjà l'entrée des jeux, Batoyo Kolanda Biso Ebele, un mot par rapport à l'entrée des jeux déjà. Oui, ta question est multidimensionnelle. Et tu m'as demandé de parler un peu sur mon parcours musical. Mm-hmm. Je pense que c'est la troisième fois aujourd'hui que je te reçois. Mm-hmm. Je n'ai pas un grand parcours, mais c'est quand même un parcours, parce que ça a commencé quelque part et ça se retrouve quelque part aujourd'hui. Mm-hmm. J'ai commencé à chanter depuis que j'étais dans le Sankourou. Oui. Je pense que la fois passée, je vous ai dit ça. J'étais au Sankourou, pasteur de l'Assemblée de Benadibele. J'étais à Lodja où j'avais commencé à chanter. Donc je vous ai dit que j'ai travaillé à l'office des routes. Et il y a une autorité qui m'avait vendu sa guitare. Oui. Chez le chef Batia. Actuellement, il est dans le Bas-Congo. Alors, quand il m'a vendu sa guitare, c'est cela qui a fait que j'ai commencé petit à petit à m'exercer. Et au niveau de Sankourou, donc ma petite musique a influencé toutes les couches des frères et sœurs. Et alors, je suis parti de Sankourou. Je suis allé à Kindu, à l'est, du côté de Goma, Bukavu, Salamabila, tout ça. Et tous ces côtés-là, ils connaissent un peu mes petites chansons. C'est ça mon parcours. Très bien. Mesdames et messieurs, comme pasteur m'a précédé, nous allons revenir toujours sur ce point, parcours musical du pasteur, parce que il est aussi pasteur dans une assemblée locale ici à Kinshasa, et cette assemblée s'intitule tout simplement Tabernacle de la Moisson. Mesdames et messieurs, vous connaissez cela, beaucoup de gens connaissent l'endroit où c'est ici, justement ce tabernacle. Pasteur, parce que nous nous pointons juste sur ce point, il y a parcours musical nayo. Entre musique na pastora et là on y a qui dit bosso n'a rien à voir nous mise au point sur ça musique et pastora ni n'a qui dit bosso ngai na message et c'est là qui pastora n'a qui dit bosso pastora mais na monde na zela qui kouyemba. Alors quand vous êtes rentré na musique disons na message du temps de la fin musique aux akinango avant
vous l'aviez un peu effacé ou comment? C'était comme ça? Oui, j'ai composé la musique du monde, j'ai composé, et je crois que je vous en ai parlé une fois ici. Oui. Que j'avais un ami qui chantait de l'autre côté, voilà. Rock et jazz. Mm. C'était le petit frère d'un ami, mm-hmm. et qui venait souvent à l'institut. Donc quand il me rendait visite, c'est pour entendre mes chansons. Mm-hmm. Mais en ce moment-là, il chantait encore chez Abité Masikine. Alors ce frère-là, cet homme-là, ce garçon-là, cet ami-là, mm-hmm. il m'a beaucoup aimé à cause de la manière dont j'ai composé. Bon, il avait joué cette chanson, je pense, dans l'Ok Jazz, oui. Mais il y a aussi une chanson que je lui avais donnée, et peut-être qu'il a joué ça dans Aïkolangalanga. Donc j'étais prêt à faire la musique du monde. Donc à faire la musique du monde, parce que j'ai composé et les gens me cherchaient et admiraient un peu ma musique. Alors quand je suis venu à Christ, et quand vous venez à Christ, les goûts changent. Les façons de voir des choses changent. Les manières changent. Les anciens amis changent. Tout change. Parce Donc, qu'une nouvelle vous vie... êtes façonné par celle-ci. Oui. Alors, en 86 ou 87, vraiment, je ne me rappelle plus. Non, c'était en 1985 que j'ai pris ces cahiers-là. Et toutes ces chansons du monde, je les ai déchirées. Donc j'ai déchiré le cahier et j'ai commencé à m'intéresser à la nouvelle manière de faire les choses. C'est-à-dire... Et cette fois-ci, ce n'était plus la musique. Non. Vous voyez autre chose maintenant. Et là, je m'intéressais au message. Au théâtre. Parce que le message captive. Et Bandira Nazak, tu ne t'intéresses pas à la théâtre. Mais, tu as senti que le message est sucré. Et ça, c'est toi qui m'a été. Donc, c'est ça qui m'a été à la théâtre. Message n'a pas le monde. Alors, c'est comme ça que j'ai pris le cahier là. Et donc, dans lequel se trouvaient les chansons, beaucoup de chansons du monde. Alors, j'ai déchiré ce cahier. Et je me suis consacré à Christ. C'est un peu plus tard, vers les années 90, que je vais commencer à m'entraîner à jouer la musique chrétienne. Mmh. Mmh. Et là, le pastorat était toujours là. J'étais toujours pasteur, mais j'ai commencé à aimer la chanson. Parce que les dons, même si vous êtes chrétien, et vous connaissez que le don est toujours don, même avant que tu naisses. Mm-hmm. On est avec le don, on vit avec le don dans le monde. C'est quand vous croyez à la parole de Dieu et que ces dons-là sont maintenant ordonnés. Et tous les musiciens qui chantent, les Kofi et les autres qui chantent, c'est le don de Dieu. Mais c'est moi qui est mal utilisé. Mm-hmm. Maintenant, le don de Dieu doit être utilisé d'une manière rationnelle et scripturaire. Donc c'est pour cela que je remercie le Seigneur qui m'a donné ce don, et je suis entré petit à petit à le mettre au service du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, ces dons en service, pasteur Nalingi naye vraiment mouké, parce que likambo yo batou peut-être ba monaka okaka ndenge wana, sans toutefois mettre un peu les lunettes, voir un peu de loin. Je voudrais quand même rentrer dans le même bain avec le gens là. Toyeba, donc parce que don wana, pour reconnaître quand même quelque part, dans, vers les années 90, vous commencez, la chanson a commencé à naître en vous. Vous commencez à composer. Tant au bandit que composer, pour vous, c'était quel, dans quel
type de vision, je peux dire, est-ce que vous avez une vision nini? Tant que vous composez votre chanson, vous avez une église ou bien que vous alliez un peu loin que ça? Aller loin, c'est aller où? Ça veut dire que la musique soit universelle. Voilà. La musique. Vous soyez écouté partout. Oui, c'est la meilleure des choses, n'est-ce pas? Mais quand tu as. Qu'est-ce que je peux dire? À son expansion. Hein, et donc là, ça dépend de Dieu. Mais je peux chanter et quelqu'un peut prendre cela dans la bande. Il peut amener au loin. Et c'est cela qui est demandé. Donc je pense que c'est comme je vous ai dit la fois passée, que je suis en train de vouloir apprêter un album. Et c'est cet album-là qui pourra faire l'œuvre d'expansion. Donc qui pourra amener mes chansons, ma voix un peu au loin. Apparemment, ça serait un album historique. Et oui, parce que le frère Banan me dit que chaque personne est une particularité sur la terre. Donc, est une particularité. Et moi, je suis une particularité. Mm-hmm. Et lui, c'est une particularité. Et toi, tu es une particularité. Mm-hmm. Et de la même manière que nos nés ne se ressemblent pas, mm-hmm. chacun a son empreinte digitale. Mm-hmm. Chacun a un cachet qu'il est appelé à laisser dans le monde. Donc c'est comme ça que je pense que j'ai un petit cachet que je suis en train de laisser dans le monde. Oui, parce que ces choses sont vraiment profondes. Nous voudrions quand même rentrer un peu à ces années-là, que vous aviez commencé à chanter, à composer le cantique. Tout y aura quand même quelques nzembo à ces temps-là. Mais je ne sais pas là, quelle chanson vous allez nous proposer tout de suite là. C'est à vous maintenant de nous balancer l'élément que vous voulez en choix. Et oui, toi, quand tu es en vrac. En vrac, donc, bon, liberté. Ok. D'accord. Cette chanson, je l'ai composée l'année 2012, je pense. Sur l'étoile. Et cette étoile, c'est le messager de notre temps. C'est en suivant l'étoile que les mages ont trouvé Christ. Les mages eux-mêmes ne pouvaient pas retrouver Christ. Mais ils ont suivi l'étoile. Alors, quand ils ont suivi l'étoile, ils sont arrivés jusqu'à Christ. Mais quand ils sont arrivés jusqu'à Christ, ils avaient des dons appropriés. Des dons appropriés. Et qu'ils ont amené à Christ la parole de l'air, le message de l'air. Et nous aussi, comme les mages, nous avons reçu aussi une étoile. Et cette étoile qui nous a conduit jusqu'au Messie. Mais il faut amener aussi les dons appropriés. C'est la vie de tous les jours. Tondimi, tozimonzo toye, natango goyo, ponako, lakisa biso esika, masi ajali. Tondimi, tozimonzo toye, natango goyo, ponako, lakisa biso esika. Masi ajali. Ebongi, tomema belikabo, bona kobondela yeo. Masia, abongi na lokumu, liloba na ntango yo. Ebongi. Mema pelikabo bona kobonjela yeo masia abongi na lokumu
libongi na yeo na tango yo yampokwa e jali bomoto na ngai mobimba na bonjeli yeo là où se trouve le Messie. Ils ne savent pas là où peut se trouver le Messie. Mais si vous suivez l'étoile, elle vous amènera jusque là où se trouve le Messie. Masi azali wapie, azali yesika moto ajali naliloba. Zambia azali wapie, ajali yesika moto azali. Masi azali wapie, ajali yesika moto ajali. Zambia jali wapie, ajali esika moto gazali. Et ce qui moto est dans la parole, et la parole dans l'homme. Et c'est comme le frère Banamou dit, une fusion. Il dit que le cœur de l'homme est vide, et le cœur de Dieu est vide. C'est que l'homme doit entrer dans le cœur de Dieu et combler le vide. Et Dieu entre dans le cœur de l'homme et comble le vide. Le rotor et le stator ensemble. Et quand ça tourne, ça vous donne Hébreux 13:8. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Masi ajali wapie, ajali esika moto ajali naliloba. Zambia zali wapie, ajali esika moto ajali. Masi azali wapie, ajali esika moto ajali naliloba. Zambia azali wapie, ajali esika moto ajali. Esika moto ajali, desika Zambia azali. Esika moto azali naliloba, desika Zambia azali. Soki okokite komona Zambia katina moto esili pona yo, soki okokite komona Nzambe esili pona yo. Esika moto ajali naliloba, ndesika Nzambe azali. Soki okokite komona Nzambe katina moto esili pona yo, soki okokite komona Nzambe esili pona yo. Je vais délivrer Israël. Mais je suis descendu. Le Dieu surnaturel est descendu pour délivrer Israël. Mais comme Dieu et l'homme sont co-ouvriers, travaillent ensemble, il fallait que son co-ouvrier soit prêt. Et le co-ouvrier de Dieu, en ce temps-là, c'était Moïse. Il fallait que Moïse soit prêt et pour qu'il travaille. Travailler en parité. Il dit que Moïse, je suis descendu parce que j'ai vu les difficultés que mes enfants ont subies et sont en train de subir en Égypte. Maintenant, moi, je suis descendu, mais toi, va. Mesdames et messieurs, l'idéologie et l'impact de cette émission, c'est de rentrer dans la vision de l'artiste que nous recevons dans cette émission, c'est tout simplement ça. Vous avez compris d'où se situe justement cet invité que nous recevons dans cette émission aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous allons continuer cette émission avec le révérend pasteur Ami Simon Angoy que nous avions reçu pour nous parler de son parcours musical qui était très important pour nous qui consommons justement la musique chrétienne et notamment la bonne musique. Alors, pasteur Mungongo, on dirait Ekimi Olanute, et ça n'est vraiment trop jeune. Apparemment, vous êtes vieux, mais la voix est toujours jeune. Est-ce que vous montez que dans Zakura Genil de temps en temps? Ça, c'est vrai.
Aigle Moussa na ce qui a commis vieux à se rajeunir à l'ongole et l'oko n'est pas la mission. Oui, à commis capable à comme la musique. Très bien. Alors, passeur, si nous allons parler de l'album, parce que nous nous situons toujours sur le parcours musical du revend passeur Amis, si nous allons parler de l'album, album tout causé là encore, parce que l'autre fois, quand nous avions tourné l'émission ici avec vous, Tolobagi Kenon, album Mesobima, Kalamingité. Na anniversaire nao na ebite soko sali fusion ya anniversaire nayo na dédicace ya église on ne sait pas encore na moni o prophétiser. Ah bon te yo moko loba yo moko loba ka esa prophétie po il n'y a pas longtemps na solo la ki na maître. Ah bon maître Sylvain et pas na nganda ndako na ebisa ki esengeli to banda ba répétition pas banze mezali. Parce que mon et ce n'est pas n'importe quelle chanson, c'est la profondeur de la parole. Exactement. Puis sur le lot, on a le cola, Nzambe a pesa kalibala, Nzambe a pesa ka visa, Nzambe a pesa ka a pesa ka mbongo, tout ça. Ce qui n'a pas, par exemple, Ngolo, et yembe li Ngolo, il faut que ça. Oui. Parce que nous avons besoin que ceux qui quelque chose, ils sont en Angola ensemble. Ok, c'est bien, c'est la chose. Mais la véritable grâce accentuée, c'est quand Dieu vous envoie un prophète majeur. C'est ça la véritable grâce. Quand Dieu vous envoie un prophète majeur. Parce que Bissot te recevoir prophète majeur. Oyo azala qui accompagne dans le ministère y a infaillibilité. Nous sommes sauvés et nous que tu vois là, nous sommes réellement sauvés parce que recevoir le message de Branham au temps de la fin, c'est un signe de la prédestination. Nous avons été prédestinés pour recevoir ce message. Amen. Amen. Ça c'est la vérité que vous parlez. C'est pour cela l'oyembo nazako yemba. Et ça dit, ma bomba mis en zambe, ce sont des choses que Dieu a cachées et qu'il a révélées de lui-même. Un mystère. Loyem bona koyembela. Yezali ma bomba mi nene. Bombera kibiso natango nasuka na
salema kikuna Nelanga yedeni na koyemba na koyemba Koro yesu akumisama na kosanzola kombo na yo yawe Koro yesu akumisama Bien, mesdames et messieurs, pour votre information, le frère Robert Kombo était en Afrique du Sud, notamment à Cape Town, dans la salle Goodwood Jessica Nini à Betaki, concert le 12 janvier 2014. Donc, concert Wana Isaac prévu. Donc, à Betango, Nandenge Sengeli, mais combattant, Bayaki Wana à Betati. À Betaté, donc il y a certaines personnes au Bakedeki, pour ça la désordre que non, pas signaler va combattre, il y a quelqu'un là-bas, il faut empêcher Conserwana et Beta par la grâce de Dieu, Conserwana et Betaki, Bogo Monamo, va image mouke. Il y a extrait, il y a concert, il y a frère Robert Kombo na Afrique du Sud. Voilà, pasteur, revenons un peu dans ce que vous nous présentez comme album aujourd'hui. Album Wana, na yebite. Est-ce que vous avez combo et dédicace? Oui, il y a un album. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Donc, vous nous. Les choses révélées nous appartiennent. Donc, Seigneur, qu'est-ce qui arrivera quand le moment viendra? En tant qu'humain, alors, les choses révélées, c'est pour nous. En tant qu'humain, tout le monde. C'est une dédicace que cet album serait. Alors, album Wana, si nous allons parler en termes, il y a chiffres, et que ça a combien de titres, Ndenge yo za komiso ila yo. Pour topé sa batu ki zungu zungu te mbaimba ite au moins 10 chansons. 10 chansons. Nous allons nous attendre sur 10 chansons, oui, l'album Mezoya. Et donc ça peut être moins ou plus. Mesdames et messieurs, parce que c'est une émission de la musique, nous allons encore écouter un morceau. Je ne sais pas lequel, mais le pasteur va nous ramener. Na Ritiminaye, Yahweh Boyembi. Vous remarquez que nous le prenons beaucoup plus en casquette d'artiste musicien. Mais cela n'empêche, parce que nous allons parler tout à l'heure sur le pastorat, tout de suite là. Nous allons écouter et revenir pour la continuité de l'émission. Alors, pasteur, quelle chanson? Le message de notre temps, ce que nous avons vu, mon limo santo, des tangos et tombés à Kobanda. Mais et tombés à Zali, et longs à Pézali.
c'est que biso tous allez ku bunda na kati ya victoire. Et ça différent. C'est un cantique de foi. Bunda pona kolonga. Et c'est une chose. Mais combattre dans la victoire, ça n'est une autre. Bonjour, musique des obélias là-bas. C'est un enseignement, pasteur. Peine n'anguina belle. Alors, c'est parti. Satana kwe, victoire.
kanisi tozali okete muke muke. Oui oui. Et boyoka que makambo ezakoya ekozala makasi. Wana ezali mystère caché. Mais bientôt sera révélé. Et toza ko dévoiler muke muke. Alors, mesdames et messieurs, nous continuons avec le révérend pasteur Amis, que nous recevons vraiment d'une manière officielle dans l'émission Oyo Sinfo Plus. Et comme nous sommes dans la discographie, et Zengale Aye Bisabiso Mamouke, Itala Johanna Tutu, comment ça se passe, tout consort, pour que nous puissions bien assis, tous à la vraiment bien assis, la vérité. Alors, pasteur, à ce temps-là, vous avez trouvé Pasteur Kouete, la musique, il y a Message du temps de la fin. Vous trouvez qui Pasteur Lifoko, la musique, il y a Message du temps de la fin. Alors, vous êtes retrouvés aussi dans le même cadre, il y a musique. Vision nao, na moment wana, Ozaki komi l'obanine. Ozaki koyo kape ba musique na bango à ce moment-là. Kouete ndé abandaki. Oui, oui. Kouete ataki. Yé penza, batali boso penza. Batali boso bango wana ba kouete. Mais il faut couper Aza. Tout le monde a caressé la bande verbe en 90. Oui, oui. Bon, c'est-à-dire seulement, bah, il y a des gens qui ont écrit que grâce à Nzambe, ils sont différents dans le monde. Ou bien, par exemple, le Kouete, à Bandaki Liboso. Oui, oui. Mais il faut que vous soyez Sima, à Komi Likolomingi. Donc, tout le monde a été apprécié dans l'esplanade. Donc, il y a eu une esplanade, il y a eu une France, une Paris, il y a eu une Montargis, il y a eu une donc, il y a eu une Canada. Donc, il y a eu un concert, minene, minene. Donc, il y a eu un concert à Pointe-Noire, à Monaki. Oui, oui. Donc, j'ai prêché au stade. Dans le stade Alcemi. Voilà. Donc, la Monaki, c'est un garçon qui a été appelé pour faire de grandes choses dans la musique. Et tu sais que moi, je ne suis pas né au mois de juin. Oui. Je suis né au mois de juillet. Je suis né le 29 juillet 1953. Je suis un lion. Et vous connaissez que les lions ne sont pas des chanteurs. Ouais. Vraiment, vous me faites entrer dans des choses. Vraiment. Mais le don de chanter, ce sont ceux qui naissent au mois de juin. Comme donc, il faut, mois de juin. Et oui, ça, ouais. Ça c'est le don inné. C'est, donc, c'est quelque chose qui est plus fort. Et alors, je pense que, bien que je ne sois pas né, et donc, là, quand les étoiles se croisent pour les chanteurs, mais j'ai un petit rôle à jouer aussi. Et c'est comme je vous ai dit, c'est que chacun est un petit messager sur la terre. Oui. A un rôle à jouer. Toi, tu as un rôle. Lui a un rôle. L'autre a un rôle. Mais il faut que chacun de nous, que chacun comprenne quel est son rôle. Qu'est-ce que moi, je suis en mesure de faire sur la terre. Donc, ça ne sert à rien d'imiter quelqu'un. Parce que tu ne parviendras pas à imiter quelqu'un s'il a été appelé et donc à faire une chose de cette manière-là. Mais chacun est appelé à faire quelque chose. Donc c'est comme ça, vous voyez, même dans ma façon de chanter, je ne m'inspire pas. Donc je n'ai pas un cachet qui imite quelqu'un. Je ne sais pas si vous sentez. Oui. Donc je ne chante que ce qui m'arrive dans la pensée. Il y a un philosophe qui avait dit qu'un artiste ne doit pas aller au-delà de son inspiration. Parce que si vous allez au-delà de votre inspiration, vous allez imiter. Mais seulement si vous chantez selon votre inspiration, vous faites quelque chose selon l'inspiration que Dieu vous donne, la chose réussira vraiment. Et parce que finalement l'inspiration c'est Dieu. L'inspiration c'est Dieu. Et ceux qui ont chanté dans les temps anciens, les gens comme les Fanny Crosby, c'était des gens inspirés.
c'était déjà inspiré. Et on ne peut pas composer sans inspiration. Et l'inspiration, c'est le monde de Dieu, comme a chanté le fond. Alors, c'est que les Kwete, les Lifoko sont en train de faire leur temps. Et nous prions le Seigneur pour qu'ils fassent longtemps, parce qu'ils ont quelque chose qui aide l'épouse mondiale de Jésus-Christ. Alors, pasteur, mais aujourd'hui, si nous allons parler en termes à invitation, peut-être invitation Moko et Yelio. Oh, pasteur, il fallait Oyakobeta na église Songolo. Est-ce que c'est là vous vous serez au plaisir? Mais na kende obeta na gochen. Ba benga kio? Eh. Ba bi invitation ya kobeta na église. Na beta ki benza. Bien. Alors, ça c'est bien. Pasteur, nous allons partir comme ça. Nous allons terminer avec le point. Ya pastora. Wana toko suka nango. Ba mona quand même. Où est-ce que vous êtes situé? C'est-à-dire, vous êtes pasteur, mais vous conduisez quand même un grand tabernacle comme la moisson. Nous allons voir aussi cela et que les gens puissent découvrir aussi la moisson, comment ce tabernacle est en construction. Et ils vont voir comment cette assemblée est grande. Alors, pasteur, parlez-nous un peu encore de cette musique que vous embrassez, où est commis vraiment deuxième tâche à part pastoral, où est Ozali, où est Zakosal. Tout ce s'attendre, notamment, la musique où est Zakosal. Parce que les lois comme on a l'idée que nous avons fait un concert. Est-ce que les canis sont là? Vous voyez là? Vous avez un concert. Mais comme tu as conscience, les années où c'est présent, c'est un anzam. Tout ce qui n'a moni, n'a pas cela qui n'a pas petit ou n'a petit azer, n'a donc n'a pas ça la moins loco moco, ou va petit ou n'a pas un anzam, on a que donne à Bangweza Makas. Donc n'a pas ça quelque chose pour ban on a peut bailler ban ba faire ta musique dans le public. Donc. Expérience, les amis, mais il faut que transmettre na bano bazana na makila. Donc c'est comme au village, quand vous voulez avoir des sages conseils, il faut chercher le vieillard qui a les cheveux blancs. Il a son petit balai à la main, en train de tuer les mouches. C'est ça. Mais alors quand vous lui demandez les sages conseils, il vous parlera à partir des expériences. À partir de ce qui s'est passé dans sa vie, il est capable de le transmettre aux autres. Donc c'est comme ça que un don ne commence jamais un grand don. Mais ça commence toujours d'une manière si faible. À petit fait. Et on appelle ça le faible commencement. Mais les faibles commencements peuvent vous indiquer ce qui sera la fin de l'histoire. Vous pouvez voir un champ de maïs. Si tous les champs est jaune au début, et là ça vous indique déjà qu'il n'y aura pas une bonne récolte. Mais si vous arrivez dans votre champ de maïs et que vous voyez tout est vert, bien que ce soit le faible commencement, mais il y a de l'avenir. Et c'est comme ça que j'ai vu que ici dans notre église, il y a notre frère ici, frère Sylvain, c'est un meilleur guitariste que j'ai connu dans ma vie. Azali vous s'adapter facilement, même dans le Azali, c'est un as. C'est un as. Vraiment. Donc, c'est un don à conserver. Et vraiment, nous l'aimons beaucoup parce qu'il n'est pas conflictuel. Il était en train de faire ses histoires, je l'ai appelé. Très vite, il est présent. Donc, je ne l'ai même pas prévenu. Alors, les enfants disposés comme ça, c'est bon. Donc j'ai dit que je vais entrer dans le studio avec les jeunes musiciens de mon église et envie de les faire connaître, parce que le prophète Bana nous dit que nous les anciens amenons les jeunes ministres à prêcher dans nos églises pour qu'ils puissent être connus, parce que quelqu'un quand il prêche ici une fois, il est connu dans le monde. Une fois.
Et parce qu'on va mettre à l'internet, on va le suivre par-ci, par-là, tout ça, il est connu. Un garçon qui chante ici est connu, en avance. Alors c'est comme ça que je sais que l'avenir appartient à l'Éternel, mais nous avons de bons projets pour l'avenir. Et quand nous allons monter au-dessus, je vais vous montrer là où nous allons. Et donc on va mettre notre donc la chambre de musique, le studio. Le studio d'enregistrement. D'enregistrement. Comme vous l'avez promis l'autre fois, que nous la studio moko yamuni. Donc ça la studio moko professionnel ya l'école. Donc nous allons se placer en. Donc je venais de dire et donc au constructeur à Archi que nous devons faire un studio ici au-dessus avec toutes les qualités d'un studio international et professionnel. Attends, tout le monde a outil n'importe où à côté qu'on a l'habité à vous assister bien. Donc moi je vous ai dit que dans mes projets d'avenir, un studio. Je ne voudrais pas que nos enfants puissent aller de gauche à droite se débrouiller pour chanter. Et donc pour faire sortir leur sera le studio de l'église. Et ça ne sera pas un studio de quelqu'un. C'est le studio de l'église. Et ça sera au-dessus. Au-dessus. Donc une chambre insonorisée, ça fermée. Ça montre toujours la suprématie. Mais si... Et si vous ne voyez pas grand, hein? Ce sera toujours petit. Petit. Très Il bien. Il faut voir grand. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant qu'on puisse clore cette émission, Tokolak Sabino, comme je venais de le dire tout à l'heure, comment Assemblée chrétienne, La Moisson et Zali, Awa, nous allons parler avec le pasteur, nous allons sortir un peu comme ça, pour vous permettre également de voir les images. Alors, pasteur, parce que nous tendons vers la fin, je voudrais que vous parliez un petit mot par rapport à la musique et le message du temps de la fin. Comment dire nous avons un comportement, il y a musique, le message du temps de la fin. Est-ce que les Tamboula Malam, les Tamboula Nenge, peut-être les Sengele Tamboula Té. Les Tamboula Malam, papa. Dites-nous. Donc les autres la malam pour les Congolais bande ko na biso bazako yemba bazako kozwa ba inspiration ya kokam. Ce n'est pas possible. Il y a des fois quand j'entends je trame. J'ai entendu le nouvel album de Pasteur Lefoko. Oya yemika muke muke akati. Oui oui. Mais on peut sakaka posa yebi mais matozo yango. Naturellement, peut-être une inspiration est Ezaka Komata. Que Dieu le bénisse. Donc je pense que la musique chrétienne est au beau fixe. J'ai parlé il n'y a pas longtemps, je pense il y a de cela deux semaines, je disais que la manière que les Congolais chantent, la musique chrétienne, ceux qui sont dans le message de Branham, est un peu différente des autres frères qui sont dans le monde. Parce qu'ici, nous chantons le message de l'heure. Le message de l'heure. Le message de l'heure est chanté dans la musique. Vous pouvez suivre même ceux qui chantent en Amérique. Et quand ils sont dans des conventions, ils chantent, c'est bon. Mais vous ne sentez pas le message de l'air. Mais ils chantent. Ici, c'est comme une spécialité. Oui. Donc, c'est comme quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Ça, c'est vrai. Et c'est pour cela que je comprends que ce pays, si le frère Branham a vu, le Congo belge, il y a beaucoup d'étoiles de Dieu dans ce pays-là. Donc, c'est un pays à vocation chrétienne. Donc, ce sont des gens qui aiment le Seigneur. Ce sont des gens qui aiment la parole. Et ce sont des gens qui croient au message de Branham facilement. Le monde uni
sur toute la surface de la terre. Si vous unissez tous les croyants du monde entier, ils ne nous dépassent pas en nombre. Non, ils ne nous dépassent pas en nombre. C'est cela qui montre que Dieu a réellement un programme avec ce pays ici, un programme divin. Et c'est ce que je crois. Très bien. Alors, comme nous tendons vers la fin, parce que nous allons finir na image et à tabernacle de la moisson, passe une chanson, et puis nous allons finir en montant là où les studios seraient érigés, notamment na l'Ikolo. D'accord. Dieu, quand il commissionne quelqu'un, il prend ceux d'entrée dans le commissionné. Et l'homme qui part, il ne part pas seul, mais il part avec celui qui l'a envoyé. Envoie-moi, oh Seigneur, envoie-moi Jésus, mon chemin, c'est toi. Je suis disponible, j'irai partout là où toi tu veux. Envoie-moi, mon Sauveur, envoie-moi Jésus, mon chemin, c'est toi. Je suis disponible, j'irai partout là où toi tu veux. Envoie-moi, mon Seigneur, envoie-moi Jésus, mon chemin, c'est toi. Je suis disponible, j'irai partout là où toi tu veux. Quelque chose se trouve dans mon cœur qui rend ma vie errante, qui fait de moi un pigeon voyageur. J'irai partout là où toi tu veux, mon Seigneur. J'ai besoin de vivre dans ma maison, consoler ma fille et Salem. Quelque chose se trouve dans mon cœur qui me fait souvent aller au loin. Mon Seigneur, oh, disponible, j'irai partout là où toi tu veux. Quelque chose se trouve dans mon cœur qui rend ma vie errante, qui fait de moi un pigeon voyageur. J'irai partout là où toi tu veux. Envoie-moi, mon Sauveur, envoie-moi Jésus, mon chemin, c'est toi. Je suis disponible, j'irai partout là où toi tu veux. Envoie-moi, mon Sauveur, envoie-moi Jésus, mon chemin, c'est toi. Je suis disponible, j'irai partout là où toi tu veux. Il envoie, il entre en toi et il se manifeste lui-même au travers de ta chair, Seigneur. Quand
Quand il envoya l'apôtre Pierre, il entra en lui et se manifesta lui-même dans la chair humaine. Quand il envoya William Marion Branham, il entra en lui et se manifesta lui-même dans sa parole. Seigneur. Quelque chose se trouve dans mon cœur qui rend ma vie errante, qui fait de moi un pigeon voyageur. Je suis disponible, Seigneur. Quelque chose se trouve dans mon cœur qui rend ma vie errante, qui fait de moi un pigeon voyageur. J'irai partout là où toi tu veux. Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Je suis disponible. Nous avions parlé avec le pasteur Boyokie, Touloubiaki sur trois points, parcours musical, pastoral, la musique et le message du temps de la fin. Boyokie, quand même, en quelques lignes, le pasteur nous a expliqué, mais nous allons finir. Pour Bomona, quand même, et si Kanini, pasteur, Azali Kokamba, le Sambo Mounene Lokola, la moisson, tout de suite est là, Tolitomona Kuna, comme ça, Toko finir justement cette émission. Par là. Alors, pasteur, un mot par rapport à nos téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui, ce soir. Naibina Kinshasa, na Brazzaville, ça bouge déjà et partout dans le monde pour ceux qui vont nous suivre sur le net. Je salue tous les frères et sœurs de la ville de Kinshasa, de la RDC, et ceux de Brazzaville et des environs. Que le Seigneur les assiste, les bénisse. Je pense que je suis en train d'écrire une petite histoire de ma vie et sous forme de ces émissions, parce que un jour peut-être qu'on ne sera plus là, mais ce film et donc cette vidéo va rester et ça pourra. Excusez. Ah d'accord. C'est mon administrateur. Alors je pense que je demande à tous les frères et sœurs de surtout prier pour nous. La prière, c'est la plus grande chose que je demande à tous nos frères, à toutes nos sœurs de la RDC et de Congo-Brazzaville, qu'ils puissent toujours se souvenir de nous dans leurs prières. Et qu'ils attendent l'album. Oui. Et qu'ils attendent l'album qui vient bientôt. L'album, c'est comme vous l'avez dit, ça aura plus de signification si ça sortait ensemble à la dédicace, avec la dédicace. Avec la dédicace. Ok. Nous allons tenir debout. Le temps que je donne aussi le micro, parce que ça c'est votre micro, mais je donne juste quelques mots au frère Sylvain qui nous a accompagnés. Oui. Frère Sylvain, un mot par rapport à tous nos téléspectateurs, au Balandi Bisso, naibi que nous avons été aux alliés à Langanzembo, au Banda Kala. Bon, tout ce que je peux dire, nous aimons nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Nous avions été appelés ici pour accompagner le pasteur. Je suis content. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pasteur, nous sommes devant tabernacle de la moisson. Et ça sonne pas. Donc, comme il y a déjà dans la émission, on a évité ce que nous avons fait pour nous. On a fait déjà le tabernacle de la moisson est là. C'est lui le responsable, pasteur de cette assemblée. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot par rapport à nos téléspectateurs, pour tout ce qui est ça. Donc, si Dieu vous a dit, on a fait une image de ça. Ok, na sepele mingi. Na kanisi omoni ata esika ndenge komi propre ezalaki nde awa basalite moyete me bakonzi na biso basungi biso babongiseli biso place yo malamu donc on les remercie pour le fait de nous aider à déblayer toute la saleté qui était ici devant notre église et
ce que vous voyez là, c'est notre église, c'est le tabernacle de la moisson que je conduis. Et je ne me rappelle plus la question, c'était... C'était juste par rapport à l'église. Ndenge aux alliés responsables et à l'assemblée Oyo. Alors j'aurais souhaité que nous bandeko bamona lokola tozali liboso na yango bamona yo et puis au le mot de la fin par rapport à bandeko nyonso ba kolanda biso une émission. C'était juste la question. Oui, au mot de la fin ezali quelle que soit la conjoncture donc tozali komeka ko tonga temple pour le Seigneur et Tokomi déjà qu'attendre vers la toiture, mais je vous dis que ce sont les contributions volontaires des chrétiens. Les contributions volontaires des chrétiens eux-mêmes qui contribuent pour avoir un lieu de prière qui s'impose. Alors c'est comme ça que ce sont des travaux faits par la grâce de Dieu. Donc ce n'est pas... Un homme ne peut pas se glorifier, mais c'est Dieu. Et que l'honneur, la gloire soit rendu à Jésus-Christ, qui est notre roi. Merci beaucoup, pasteur, d'être avec nous dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous reverrons na prochain numéro pour bon moment le sous-artiste Moussou Obako les cas toujours na étendue à Mouké Oyo Bolanda ka souvent biso na émission Oyo Saint plus l'émission de la discographie et les lotosaki na honneur yakoyamba le reverra pasteur ami Simon Angoy Oyo pesi biso tant nyoso yako solo la na biso et nous sommes pratiquement vraiment na souka ya masolo na biso toujours compter N'oubliez pas le rendez-vous chaque samedi à partir de 19h sur les antennes de la RTVA. Salema kikuna.